Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer comment connaître le nombre d'heures de fonctionnement d'un moteur hors bord Suzuki quand on n'a pas d'indicateur d'heure. Alors tout se passe sur le contour. Il faut regarder deux choses: la position de l'aiguille et le nombre de clignotements du voyant à droite, rêve, limite. Alors démonstration. Alors, quand on met le contact, il y a le test des voyants et du buzzer. Et juste après, l'aiguille bouge et le voyant rêve limite clignote ou pas. Alors, un clignotement vaut pour 500 heures. Et il faut diviser la valeur indiquée par l'aiguille par 10. Alors, dans mon cas, il y a un clignotement qu'on voit pas très bien. Donc, 500 heures. L'aiguille indique 1700 divisé par 10, donc 170. Donc j'ai 500 plus 170, 670 heures. Alors vous aurez plus d'infos dans ce tableau et je vous remets une séquence vitesse réelle. À plus.